tablette de bœuf? Take a guess. Take a guess. Mardi matin, le 5. Oui, on sort de Côte d'Hiver. Pourquoi? Parce qu'on s'en va à Laval. Pour mon petit Minou. Hein, mon gars? Il y a dans du verglas dans à peu près 20 minutes. Sorti le balai à glace. Il reste encore du sable blanc par ici. C'est pas tous les jours que vous allez regarder une chaîne YouTube de bateaux et de voiliers. Et vous allez voir les vitres comme ça, quand même. Hein? Full verglas. Je sors du vert, il est midi et demi. Vraiment, Dr. Bernard, gentil. On a jasé, on a discuté. Puis très raisonnable avec les options. Qu'est-ce qui s'en vient? Ben absolument rien. Pour l'instant, Rocky est asymptomatique. Donc, on va partir comme ça. Tant que Rocky souffre pas, ben moi, on continue. Puis comme me dit la verte ici, puis elle a tout à fait raison, Rocky vit une très belle vie dans le sud avec moi. Pas parce qu'il était avec moi, là, plus à cause du sud. Mais il vit une très belle vie. Puis comme pour un humain, ben on va lui donner la plus belle vie au monde jusqu'à temps que ça soit plus une belle vie. J'étais allé au vert ce matin. Là, on est mercredi soir. J'étais en route pour venir voir mon amie Sylvie. Qu'est-ce que vous pensez, téléphone sonne? Vous vous rappelez de ma maman qui écrit les beaux poèmes dans l'épisode, je sais pas, 10 peut-être. Elle monte sa panterie, comme ils disent, pour aller bretter après je sais pas quoi, évidemment, puis elle fout le camp à terre. L'ambulance est en route. Grosse journée. 5 avril, là, je peux m'en rappeler une couple de choses. Je m'en viens chicaner ma maman qui monte sur les comptoirs pour faire poser des valances. Le bassin fracturé et un bras fracturé. Ils vont y mettre une belle petite plaque sur le coude parce qu'elle a le coude gros comme ma cuisse. Je m'en vais chicaner là. Dimanche de Pâques. Et oui, ben joyeuse Pâques à ceux qui sont catholiques. On n'ira pas jouer là. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Premièrement, ma mère se porte très bien. Elle est encore à l'hôpital, mais bon. Elle essaie d'aller plus vite que les médecins. Elle veut marcher, elle veut courir, mais à 79 ans, il faut attendre un peu. Mais bon, j'aurais peut-être pas besoin de retourner à chicaner. Mon petit Minou va très bien. On continue comme ça. On se croise les doigts. La semaine qui s'en vient, qu'est-ce qui va se passer? Mais ça va être de l'étude. Je vais étudier les différentes trails en bon québécois, les différents chemins pour descendre. On va partir en mai, donc avec MDMG, Martin et Mirka. On descend vers le sud-est, si on veut, puis pour s'en aller éventuellement vers la Grenade.
Il y a quand même quelques chemins, quelques bonnes traversées. Moi, théoriquement, je vais être seul. Donc, il faut que je me prépare en conséquence. Les moins longues traversées possibles, en tenant compte, évidemment, de la météo. 953 abonnés ce matin. Donc, un gros merci. Merci de partager, je le répète encore. On arrive à 1000 dans pas long. On lâche pas. On termine l'émission de cette semaine avec un petit montage en rafale. La semaine dernière, c'était des tout débuts jusqu'à Norfolk, jusqu'à l'Intracostal. Donc, on part de l'Intracostal jusqu'au Bahamas cette semaine. Ça défile dans quelques secondes. Sur ce, ben, je vous souhaite une belle semaine. Bon vin, bon vent. Ciao! Donc, j'ai enfin le grand départ. Ouvre le pont, gèle tout le monde. Moi, je m'en vais au Bahamas. J'espère qu'ils ne m'amèneront pas dans le couloir comme dans Deliverance. D'entrée de Small Swamp. J'ai jamais de mauvais temps pour filmer. Voici le Dismal Swamp. Fox! Quand il a quai, mais bon. C'est un peu plus épais. Un peu comme le capitaine. Les œufs. Pourquoi tu te baignes? T'es un chat. 4000 nautiques à faire. Ça reste très très beau. Je vais en parler un deuxième. Et cap sur Pongo River, Alligator River. On peut pas. Très belle navigation ce matin. Bridge operator, bridge operator, bridge operator. For you that was delivered. Great! That's my Bluetooth thing. Non, mais minou. Where am I supposed to put? La politique américaine, ça, c'est un peu comme la politique canadienne. Pas stressant, pas en tout, ça me dit la dingue, ça. Non, non, pas en tout. How old are you now? 71. 71. 0.99. Ça fait donc du bien, hein? Là, on regarde, puis il est craqué. Pierre, je pense à toi, je t'envoie plein d'ondes positives. Prends soin de toi, puis on se revoit bientôt, mon ami. Comment tu vas descendre de là? Tu vas aller jouer. Ah, vraiment, la gang ici, t'as belle arrivée dans Marina. Faut vous essayer ça une fois dans votre vie. Vraiment, là. Salut, mon gars. Tu bien dormi? Oriental. North Carolina. C'est vraiment petit. Puis, c'est ça. La vie de bateau, la vie de bateau. C'est ici que j'ai fait la belle photo du ciel en feu hier. À 8h, on va avoir un update de Ian, qu'est-ce qui se passe avec. Je viens juste d'échapper mes lunettes à l'eau live, moi, là. Il y en a un qui a une petite panne de GPS. On est vendredi soir, on est vendredi plus. Quand t'es dans ta trail, pis tu jambes, ça c'est... Regardez-moi le beau mouillage, il y a de la place pour tout le monde. En soirée, justement, arrivent mes amis de Yo. Il y en a un qui veut pas, je pense. Bird Island, North Carolina. Bye.
qui faisait 4. Un petit appel avec Yo. Dites-vous bonjour, Jean-Michel. Bonjour. Finalement, ça fait des années que je m'entends parler. En plus de la chaleur des gens, regardez le panorama. Hey, du café quand c'est bouché de brume. Y'a rien de plus beau que ça. C'est passager clandestin ce matin. Ils l'ont pas oublié. Ah, on a pas le choix. Au volant. La vie de bateau. La vie de bateau. Oh, faut se rendre. Devant l'impossible, nul n'est tout nu. Hein? En double, tout, en double, tout, en double. Parce que je me rappelle. Il y a bien du swag sur l'Etsy ce soir. Steve, le bourgeois, je vous parle de mes groupes de jours. Et Marie. Salut tout le monde! Et toi, ben, tu te montres la face ici. Attention de Miami, ça ressemble à ça. Un petit 2 heures, puis on est arrivé. Si ma maman me voit pas de live vest, elle sera pas contente. 15-20 pieds! Ha 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 ha!